Donc, je suis Leïla Ayache, conservatrice du musée de Bibracte, responsable de cette équipe riche et diversifiée, composée de plusieurs entités qui sont orientées principalement vers l'accueil du public, mais également la promotion de cet établissement. Le musée de Bibracte vous propose de découvrir ce phénomène urbain original à travers deux galeries d'exposition permanente. La première vous propose de remettre le phénomène d'urbanisation en contexte en évoquant la situation sur différents sites européens, tandis que la galerie inférieure, qui a été rénovée jusqu'à la saison 2013, présente de manière inédite un nombre très important d'objets archéologiques issus du site de Bibracte. L'une des composantes essentielles de l'équipe du musée de Bibracte est son service éducatif, son service des publics, animé entre autres par une équipe de guides qui vous accueille tout au long de l'année et qui développe une activité à l'attention des publics jeunes, mais également du grand public, soit sous forme d'ateliers, de visites guidées, aussi bien sur le site archéologique qu'au musée lui-même. Parmi la programmation culturelle du musée, la période estivale est un rendez-vous important où les activités se diversifient avec une rencontre avec le site naturel de Bibracte, puisque Bibracte, en plus d'être un site archéologique majeur, est également un site naturel exceptionnel que l'on propose de découvrir à travers des activités originales, par exemple la grimpe d'arbres qui consiste à découvrir le monde des arbres autrement.